Merci, merci Madame la Maire. Lors du Conseil de Paris du mois de juin dernier, j'avais déposé un vœu demandant l'abandon du projet mené impasse des Chevaliers dans le 20e arrondissement par le bailleur Habitat Social Français dont la ville de Paris est actionnaire. Cette opération ancienne, votée par l'ancienne mandature, a permis à Habitat Social Français la construction de nouveaux logements sociaux sur une parcelle en pleine terre et qui a entraîné l'abattage d'un arbre centenaire. Un projet totalement en désaccord avec le futur plan local d'urbanisme bioclimatique voulu par la ville de Paris. Un projet qui pose également de véritables questions de sécurité, notamment en cas d'incendie, puisqu'il n'y a aucun accès direct à la rue. Dans mon vœu, je ne m'opposais pas à la construction de logements sociaux. Je demandais que ce projet soit abandonné, en tout cas dans sa forme actuelle, et qu'il soit réétudié en concertation avec les riverains. Encore une fois, je n'ai pas été écouté alors que la validité du permis de construire n'a pas été juridiquement démontrée. Avec ce projet, vous êtes passé en force sans vous préoccuper de la vie des riverains. Avec ce projet, vous densifiez et vous dénaturez un quartier comme trop souvent dans notre ville. Avec ce projet, enfin, vous faites fi de l'opposition des habitants et des élus de l'arrondissement, dont certains de votre propre majorité. Alors, Monsieur Émile Meunier, vous dites que vous êtes le parti de la nature. Nous, en tout cas, nous sommes le groupe qui défend les Parisiens et nous sommes le parti du bon sens et de la cohérence. Donc, il s'agit certes d'une délibération technique, mais pour toutes les raisons que je viens d'évoquer, nous demandons un vote disjoint concernant les articles 3, 4 et 5 de cette délibération pour manifester notre opposition à ce projet. Je vous remercie, Madame la Maire.